Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer deux façons simples pour établir la propriété de vos vidéos en leur ajoutant des logos. Méthode 1. Ajoutez un logo en post-production avec Filmora. La première et la plus simple façon de faire est d'utiliser la fonction de superposition dans Filmora. Cela vous permet de marquer vos propres vidéos avant de les publier. La seule chose que vous devez faire est d'installer Filmora sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas encore téléchargé ce programme, cliquez sur le lien dans la zone de description ci-dessous pour visiter le site web filmora.wondershare.fr et cliquez sur le bouton « Télécharger ». Pour commencer, importez vos fichiers vidéo et le logo dans la médiathèque de Filmora. Faites glisser le clip vidéo et déposez-le sur la piste vidéo sur la timeline. Et faites glisser le logo vers la piste PIP qui se trouve juste sous la piste vidéo. Comme nous pouvons le voir dans la fenêtre d'aperçu, le logo a déjà été superposé sur la vidéo. Maintenant, faites glisser les poignées ici pour redimensionner le logo ou le repositionner dans le coin inférieur gauche ou droit de votre vidéo. Méthode 2. Ajoutez des logos à des vidéos déjà présentes sur YouTube. Dans le cas où vous souhaitez ajouter des logos à vos vidéos existantes qui ont déjà été publiées sur YouTube, la fonction filigrane de YouTube fera le travail. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte YouTube. Cliquez pour entrer dans le Creator Studio, dans le coin supérieur droit de la page. Ensuite, rendez-vous sur le côté gauche et allez à la section Chaîne, Branding. Cliquez sur le bouton « Ajouter un filigrane ». Si vous ne trouvez pas ce paramètre partout, assurez-vous que vous affichez la page Creator Studio et que la section de la chaîne est élargie. Maintenant, cliquez sur « Choisir un fichier » pour sélectionner un logo de votre ordinateur, puis cliquez sur « Enregistrer ». Il vous est recommandé d'utiliser des fichiers images ne contenant que le logo avec un fond transparent. Une fois que le fichier image est téléchargé, vous en verrez un petit aperçu dans le haut de la fenêtre. Cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer. Vous pouvez régler l'heure pour afficher vos logos ici. Plusieurs options sont disponibles, comme « Afficher à la fin de chaque vidéo », pendant toute la vidéo ou à partir d'un point défini. Cliquez sur « Mettre à jour ». Maintenant, vous serez en mesure de voir le logo apparaître sur vos vidéos existantes tout de suite. C'est tout! J'espère que vous avez appris à ajouter des logos à vos vidéos. Cliquez sur le lien dans la boîte de description ci-dessous pour visiter filmora.wondershare.fr et télécharger une version d'essai gratuite pour commencer dès maintenant. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir toutes les astuces vidéo.